Hello tout le monde, comment ça va sur le campus de la Salty Academy? Bien de retour ici où il fait beau, hein, parce qu'on est à Nantes, hein, du coup hein, on n'est pas dans cette ville pourrie qu'est Paris. Hein. Comment ça va tout le monde? Bien ou quoi? Allez rentrer! Remember it. Bon, ça va tout le monde? Bien ou quoi? Bien rentré. Ça va, j'ai meilleur. Visiblement, j'ai à peu près une meilleure mine que sur toutes les photos que j'ai pu voir de moi. Je souhaite être le 31e joueur. Si t'étais venu ce week-end, peut-être, toi, gros fils de. Hein, voilà quoi. Bon, j'ai décidé de faire un truc déjà qui va changer sur le campus de la Salty Academy. Certaines personnes, comme Nano, etc., je vais les mettre en VIP sur Discord, comme ça, s'ils veulent jump de temps en temps. Hein, voilà, comme Mary quoi. Là, tu vois, ça Salut, va. Salut, t'es Nano. Non. J'ai bu de l'alcool. Ah, j'ai bien joué. T'as vu la Pokéball que j'ai mis? C'est Nano. Je l'ai mis très mal. T'es vraiment un fils de quand même, toi. Bah, mec, dimanche, j'étais dans un état catastrophique. J'ai cru que j'allais aller aux urgences, honnêtement. Oui, d'accord, ok. Mais bon, ça change pas, une fois de plus, que la semaine dernière, tu me fais passer pour un méchant. Quand je te dis que, indépendamment du nombre de subs que tu mettras, tu peux pas te permettre de mettre un sub goal, en fait. Bon, tu voulais dire un truc, toi, 31? Parce qu'après, il faut que je parte bosser, moi. Moi? Moi, faut que je fasse le Youngtis Royal, tu vois, tout ça. Mais je veux participer au Youngtis Royal. Ok. Bon, déjà, ce week-end, il y a un truc à dire ou quoi? Qu'est-ce que t'as à dire de ce week-end? Il s'est passé quoi ce week-end? Ok. Non, ce week-end, sincèrement, bah, comme je te l'ai dit en off, j'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris par la qualité professionnelle de la LAN. Vraiment. On n'avait pas un sentiment de... Mais tu le dis si je te fais chier. Hein. Non. Mec, si tu t'endors à moitié. Mais non, mais quand je réveille, au contraire, c'est quand mon cerveau se repose. Ouais. Tu vois, comme quoi, non, je, non, mais je y a, suis y avait bien. Un côté extrêmement professionnel qui m'a agréablement surpris, que ce soit dans les replays, dans la surtout particulièrement dans la réalisation. J'ai trouvé ça tellement nickel et agréable à suivre. Après, tout le reste, l'ambiance était là, le cast était présent, t'étais présent, le pull de Frenchie était présent. La boucle d'oreille aussi. Hein. À la base, je pensais qu'il avait mis... C'était une cuillère pour aller pêcher la perche là. Mais bon, je me suis dit, si je fais la blague, personne va comprendre la ref quoi. À part les 4 pêcheurs du coin quoi. On aurait vraiment dit une petite cuillère, je sais pas si vous connaissez. Bon, laissez tomber. Mais non, mais blague à part, la prod était incroyable. Vraiment incroyable. Il y avait du beau jeu, il y avait tout. Hein. C'était vraiment une belle réussite. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Si ça vous a fait plaisir, ça me fait plaisir. Ouais, non, mais c'était. C'était cool. Après, moi, tu me connais, tu sais, je vois toujours les trucs qui m'ont cassé les couilles, quoi. Voilà, oui, quoi. Bah, tu vas regarder l'envers du décor et. Ouais, les petits trucs, les détails. Vide. Tu vois tous les trucs où j'étais en mode. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Tu vois tout ce genre de trucs-là, quoi. C'est le genre de truc où il me faudra quelques. Désolé, je dis pas merci à tout le monde, vous êtes des monstres, les amis. C'est le genre de truc où il me faudra du temps pour vous regarder avec de la compassion en me disant, ah, c'est quand même cool, tu vois. Selon toi, si Ubisoft font rien par rapport à R6, le jeu va-t-il mourir? Comment ça, ils font rien? Oh les gars, vous me cassez les couilles avec vos questions de merde. Les gars, le jeu, il a battu son record sur Steam. Bon allez, vous me faites chier. Tiens, je vais faire un truc parce que je voulais le faire la dernière fois. On va faire un petit tableau. Là. Ah voilà, vous l'avez lancé dans un ouais, truc chiant, non, parce les gars. Que j'ai fait un truc l'autre jour et j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'étais un peu fatigué. C'était du bonne coup, ambiance. Il y avait de la joie, il y avait du sourire. Mais non, mais et il fallait que arrivé. Je le fasse. Il fallait que je le fasse. D'accord. Comme mais j'ai bon, pas envie de me faire déçu. Chier à faire un tableau croisé, un calcul en croix pour le coup, je vais le faire avec les stats que j'ai récupérées de l'autre jour, à savoir sur mon tweet. En partant du principe qu'étant donné que je l'ai fait sur Twitter, les gens qui utilisent Twitter ne sont pas forcément des gens qui sont sur console. Voilà mon truc. Il y a quand même 3177 votes. En partant du principe que Steam Charts... Il y a eu un all-time peak, là. Petit truc au-dessus de 100K. Le problème, c'est qu'on confond, quand on dit R6 est mort, on confond lassitude et ce que veut vraiment dire ouais. Le jeu est mort. 113 252. Je réfléchis. Ok, 21,8. 42. Mon cerveau est liquéfié. Liquefact. 26. C'est rigolo? Non, attends. 10. Non, c'est de la merde. Ferme ta gueule. Ouais, je sais. Ouais, je suis non, aussi. Ouais. Non, tu nous fatigues. D'accord. Okay. T'es méchant. J'ai été gentil avec toi. Pour tout le week-end, là, tu vas pas commencer à me gonfler. En même temps, te c'est dis, normal. Grâce à moi, tu fais de l'argent, fils de putain. Oh, c'est ça comment tu me vois? Ouais. Mais bah, t'as raison. Ouais, complètement. Pourquoi t'es pas passé me dire bonjour hier? Te dire bonjour hier? Ouais. De toute façon, tu m'aimes pas. Moi qui t'aimais.
Ok, et le produit en croix, du coup, comment est-ce qu'on le réalise avec, en laissant le pourcentage dans le cul aujourd'hui. Est égal à, du coup... Vu qu'il l'a pris en pourcentage, donc du coup, si je le tire, est-ce qu'il le calcule directement? On est bon? Tu peux tirer, hein? Ouais, on est d'accord. Ça me paraît pas trop déconnant. Voilà ce que ça donne. Sur le all-time peak, en prenant du coup le sondage qui a été fait sur 3177 personnes, qu'on peut considérer comme étant représentatif, 3177 personnes qui participent, c'est quand même pas déconnant. Et puis, et vu la façon dont la question a été posée, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les personnes à mettre de la merde. En vrai, voilà, la plupart du temps, il peut y avoir parfois, il faut faire attention quand même dans les sondages, volonté pour certaines personnes juste de troller. Là, bon, si les gens trollent, c'est pour mettre Xbox grand maximum en fait. Et des personnes qui n'aiment pas Rainbow Six ou qui n'ont pas de contenu Rainbow Six, on peut être en mesure de se dire qu'ils n'auraient pas participé. Ça veut dire que sur le pic de l'autre jour, en gardant les proportions qui sont indiquées ici, on avait 519 505 personnes. Ça veut dire que maintenant, si on repart dans notre Steam Charts, on s'aperçoit à quoi ? Qu'au final, voilà où vient se mettre un Rainbow Six. Exactement là où on pourrait imaginer qu'il se met, quoi. Alors attention, parce que c'est vrai que Apex peut-être a du monde qui joue sur console. Il y a beaucoup de joue qui joue sur console, d'accord. Mais quel est le truc qui est assez notable? Apex est un free-to-play, Counter-Strike 2 est un free-to-play. PUBG, du coup, par exemple, n'existe pas. T'as inversé Xbox et Play. Ah ouais? Bon, on s'en bat les couilles, en fait. Oui, ok, d'accord. Effectivement. Mais bon, on s'en fout, en vrai. Le but du jeu, c'était de trouver ce chiffre-là. Là. Et je pense que c'est pas déconnant, en soi. Pix, c'est un moment T, ça donne pas le nombre de joueurs uniques. On est d'accord, 6-4. Oui, ça donne pas le nombre de joueurs uniques. Effectivement, en tout cas, ça ne donne pas le nombre de average, quoi. Le nombre de joueurs uniques, c'est le nombre de comptes, en règle générale. Même s'il y a les Smurfs. À l'heure actuelle, on parle en millions. En 2019, il y avait eu 30 millions de comptes qui avaient été créés. Ça, c'est plus parlant. Le truc, c'est qu'on n'a pas tous ces chiffres-là, justement, sur les autres plateformes. Attends, je vais couper un peu parce que c'est un peu relou. On n'a pas ces chiffres-là sur les autres plateformes. Donc, c'est à nous de les deviner, en fait. Ubisoft, et en particulier, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Et en vrai, quand on regarde, etc., tous ces chiffres-là sont absolument pas déconnants, quoi. Mais alors pas du tout déconnants. Il n'y a aucun moment où, quand je regarde ça, je me dis « Ouais, c'est impossible ». Tu vois, Xbox qui fait 10%, PlayStation qui fait juste, la PlayStation 4 plus 5 qui fait juste plus que Steam. À la limite, s'il devait y avoir un truc, peut-être que la PlayStation, parce que c'est Twitter, du coup, la PlayStation est plutôt peut-être aux alentours de 30, là où Steam va être aux alentours de 18, quoi. Voilà, ça c'est possible. Et Ubisoft Connect aux alentours de 40. Mais dans les faits, encore une fois, il y a son propre launcher comme Ubisoft pour Apex. Donc pour moi, Apex largement devant. Ouais, mais on s'en fout, c'est un jeu mobile pour débile Apex. Ok, on est en train de parler de jeu e-sport là, si tu veux. Ok, non mais tu vois la différence ou quoi? On veut des trucs où ça met des one-tap, etc. Les jeux mobiles gratos, bon... Ouais. Voilà, les trucs où il faut sauter. T'as vu mon power glide et mon super slide et mon truc et tout? Bon, c'est nul. Ça pue du cul en e-sport et tout. Ça remplit pas des stades. Nous, on veut des trucs qui remplissent des stades, frérot. Ça, c'est un CCU ou DAU ce que tu calcules. Mais fais... Tu veux pas plutôt leaker des informations de chez Ubisoft au lieu de faire ça en CCU? Tu les as pas, ces stats ou quoi? On sait bien que c'est toi en plus derrière Ubifrax, là. Non, c'est pas vrai, je déconne. Hein. Et hop, il se fait virer. De toute façon, on sait tous que ça doit être un gars de chez Ubi quand même qui est derrière Ubifrax, là. Je peux juste te dire que tu es loin du compte en console. Le jeu va bien. Mais arrête, putain! C'est ça le problème avec les gens de chez Ubisoft, là. Et c'est tous des perfouras. Il y en avait deux. Je peux juste te dire que tu te trompes complètement. Ok Yoda, fais pas chier, donne les stats. Tu chauffes. Je ne peux rien te dire. Je veux garder ma job. Oh, vas-y, je suis loin du compte en console. Bah ouais, c'est Twitter. Bah ouais, je suis loin du compte en console. Le jeu va bien, quoi. Bah c'est sûr que de toute façon, si je suis loin du compte, donc ça, ce serait les trucs les plus pessimistes. Donc je les ai compensés avec le fait que je sois allé quand même chercher un pic. Hein, voilà. Je vois pas comment est-ce que les gens, à chaque fois... Du coup, parce qu'à la base, c'était pour parler... Je vais le mettre là. Voilà, c'était pour parler de ça. R6 est-il fucking mort en rouge? Il faudrait un truc de comparaison à côté. Ça fait 5 minutes que je suis muté, je suis vraiment...
Non, mais après, t'es fatigué, t'as envie d'être tranquille, y a pas de soucis. C'est juste que je fais mon truc et je réfléchis plus. Apex Legends a son launcher. PUBG a son launcher. Dota 2, c'est du 100% Steam. Counter-Strike 2, c'est du 100% Steam. Apex Legends est massivement sur console. Ok. Et Fortnite aussi, il faudrait Fortnite quoi. Bah Fortnite, Apex, c'est pareil quoi. C'est des Battle Royale un peu colorés pour enfants de 13 ans, non? Westug, il va me détester. Il a eu qu'à venir ce week-end, lui. En attendant, Rainbow Six, du coup, à votre avis, avec ces 500 et quelques mille là que j'ai trouvé là, partant du principe qu'on a été aiguillé par quelqu'un de chez Ubi qui nous a dit qu'on était loin du compte. Mais bon, il y a une partie de moi, forcément, qui me dit il a raison, il est chez Ubi. Il y a une partie de moi qui me dit il peut pas dire l'inverse. Et peut-on réellement croire une personne de chez Ubi? No offense. Mais bon. Ah, il y a des fois où voilà quoi. Est-ce que c'est pas un peu corporate? Est-ce que c'est pas un peu corpo? Vous êtes très très loin du compte. Nous sommes les premiers. On sait pas, on ne sait pas. Totalement faux vos chiffres. Je pense à l'heure actuelle pouvoir dire que Rainbow Six est dans le top 5 des jeux les plus joués à l'instant T sur la planète. Sur PC. Ouais, top 10, il est dans le top 10 en tout cas. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a, ouais, qu'il y a les World of Tanks aussi. On peut parler maintenant de Rainbow Six, d'ailleurs j'ai oublié le nom, le jeu là où tu extractes, extraction. Ouais. Il est considéré comment pour Ubisoft? Vraiment, je dis pas ça pour tirer sur l'ambulance ou me moquer, hein, mais il est considéré comme un échec ou pas? Vraiment. Je sais pas, moi, il va pas... Je fermerai ma gueule sinon. Ah bah voilà, tu vois, tu serais même pas franc quoi. T'as bossé sur extraction ou pas? Non, ça devait être des équipes à part. Je sais même pas si c'était Montréal, Extraction aussi. Je sais pas qui a fait. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui disent Rainbow Six est un dead game, allez vous faire en fait. Voilà, non, je pense que la conclusion, elle est là. Il n'y a pas besoin de se faire chier, en fait, quoi. Rainbow Six est-il mort? Réponse, non. Putain, là, j'arrive plus à parler. L'Hexagon Six par deux soon? Non, absolument pas. Non, non. Pourquoi le... non. Qu'est-ce qui sur Steam... sur le Steam Chart? Putain, il est où? Putain, mon cerveau, il est totalement fucked up. Est-ce que vous connaissez ce site? Donc, c'est un truc qui s'appelle « Est-ce que c'est bientôt le week-end ?» Et donc, tu cliques dessus et ça te dit non. C'est dingue, ça s'appelle un calendrier. Non, parce que c'est marqué mardi. Hein. Vous connaissez pas ça? ça fait non. Et forcément, plus tu te rapproches du week-end, plus ça change. Est-ce que quelqu'un peut faire, s'il vous plaît? Je le paye, si vous voulez. Est-ce que Rainbow Six est mort.fr? Et on n'en parle plus. Mais les personnes qui haïssent Rainbow Six, tu sais que c'est des gens qui ont aimé Rainbow Six et qui vont t'expliquer à quel point ils ont été... Je vais utiliser une sémantique de romantique, du coup. Et à quel point ils ont été trompés, à quel point il y avait trop de tricheurs, à quel point il y avait si... Et qu'est-ce qui a fait qu'au final, ils sont devenus des fucking Dark Vador? Mais on peut quand même le considérer comme un dead game, mais R6 ne peut pas avoir cette position là à l'heure actuelle avec les chiffres que tu as donné. Suiveurs, hein, qui suivent, voilà. Je ne sais pas si tu te fous encore de ma gueule comme ça. Je vais rien dire parce que tu me rapportes de la thune. Avec la musique, c'était incroyable. C'est vrai, t'avais une musique. J'ai monté une petite musique qui montait et tout, et toi qui descendais et tout. Avec un fade up, fade in. Oh, je suis incroyable.